On dévoile un vaste chantier de modernisation des infrastructures de l'école secondaire privée François Bourin. Donc, c'est un investissement de 2 millions qu'on vous annonce cet après-midi pour créer une surface synthétique pour justement nos différentes équipes sportives et aussi la création d'un vaste pavillon multifonctionnel pour répondre aux besoins justement des élèves d'aujourd'hui, d'avoir un vaste endroit chaleureux, multifonctionnel, où on va pouvoir prodiguer de l'enseignement, avoir des projets multidisciplinaires, mais également des zones de détente, des zones de socialisation. Il faut quand même souligner aussi le 100 000 $ qui a été donné par la Fondation de l'École François Bourin pour justement réaliser la surface synthétique d'entraînement. Un don qui est considérable, mais le reste, c'est vraiment des fonds privés qui vont financer ce projet-là. On peut aussi souligner l'utilisation des matériaux dans le projet, de la vitre pour justement avoir une lumière naturelle, de vastes espaces, des plafonds de 7 mètres de hauteur, la présence du bois pour justement créer une zone chaleureuse, invitante, où les élèves vont être bien. Ça va être un endroit aussi qu'on va pouvoir louer, qu'on va pouvoir prêter à nos différents partenaires parce que l'école, c'est vraiment dans la communauté. On est très impliqués dans notre communauté, on a beaucoup de partenariats, donc c'est quelque chose qui manquait, c'est quelque chose qu'on nous demander aussi souvent un endroit où pouvoir avoir des réceptions pour pouvoir justement accueillir les gens pour des conférences de presse, pour des cocktails. Donc, ça répond à plusieurs besoins, d'où le pavillon multifonctionnel.